sur Banzai Live, les amis, stream de Noël, cadeau de Noël, on joue à Oblivion parce que ça fait du bien. Et en plus, non seulement je vous fais un cadeau de Noël en relançant Oblivion, mais en plus, Fargos, qu'on avait presque oublié, qui avait mal vécu hein, son vampirisme, souvenez-vous, a reçu un cadeau de Noël de la part du Papa Noël, sous la forme, mystérieusement, c'était là quand j'ai lancé la sauvegarde, mystérieusement, il avait une potion de remède au vampirisme. Qui l'eût cru? Comment c'est possible? Qui a fait ça? Donc, pour le 61e épisode des aventures de Fargos, qui n'a toujours pas fini les add-ons de Oblivion, j'ai une potion de remède. Il a reçu une potion de vampirisme. Et ça va pouvoir lui permettre de sortir dehors sans se faire agresser et puis voir trop clair et puis passer 3 heures à essayer de se guérir et pouvoir continuer sa quête. Il était si laid que ça. Il me semble qu'il était... en fait, il me semble que ça l'a quand même... Il me semble que ça l'a quand même déformé son visage. Là, on dirait juste un elfe normal. Alors qu'à la base, il était vraiment vilain. Hein. Bref. Du coup, maintenant, ça y est, il n'est plus question eh bien, d'être vampirisé. On va pouvoir socialiser normalement, sortir dehors sans avoir besoin de lunettes qui se teignent, comme celles que je porte actuellement. Ainsi de suite, tout le monde m'appelle champion, souvenez-vous, hein, on était champion de l'arène, tout ça, tout ça. On a fait tellement de choses, on saute tellement haut, c'est Oblivion, c'est tellement le plaisir à chaque instant. Voilà, Oblivion. Est-ce qu'on pourrait pas jouer à Oblivion juste toute notre vie? Et est-ce qu'on serait pas bien, quoi? Il fallait retourner au premier stade de vampirisme. Pour qu'il retrouve son truc. Ok. Alors, jusqu'au prochain vampire. Bon bref, on n'est plus vampire. On est toujours, bien sûr, équipé de bracelets qui font mettre des patates plus lourdes. Surtout, dites-moi si c'est regardable le stream. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que à 30 FPS, le jeu, il aime pas. Bref. Toujours est-il que je l'ai oublié de vous parler du Discord officiel. Officiellement partnerisé avec Discord, qui est en lien dans la description et sous mon stream. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a moult choses intéressantes à y faire, comme partager des screenshots ou des clips de cette chaîne sur différents topics. Et puis, un de ces quatre, on se fera un petit Street Fighter ou un petit Overwatch avec les gens de la commu dessus. Voilà, n'oubliez pas, c'est le Discord, et ce n'est pas l'ancien Discord, c'est un nouveau Discord partnerisé. Donc du coup, si vous êtes sur l'ancien Discord, vous dites « Ah oui, je sais, non, allez-y, allez, cliquez dessus, allez-y, vous allez voir. » Bref, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire, ce jeu à 10 ans, Benzaï Elder Scrolls, le Discord à 10 ans. Oblivion, là maintenant, vous vous rendez compte, va avoir 14 ans. Oh là là, en mars, Oblivion aura bientôt 14 ans. C'est-à-dire qu'un enfant de 14 ans, qui donc est aussi grand que moi dans la vraie vie, si je prends le tram ou quoi, genre, un enfant de 14 ans est né en même temps, sera né en même temps qu'Oblivion. C'est-à-dire que t'iras au lycée, t'as des gens, ils feront leur rentrée cette année, enfin l'année prochaine, en 2020, ils feront leur rentrée au lycée. Et ils seront nés la même année qu'Oblivion, qui lui est sorti lors de ma première année de fac. Alors, il y a de l'action quelque part. Le renard gris a été repéré. On l'a poursuivi, mais il nous a échappé. Ne vous inquiétez pas. On l'aura coûte que... Ça me rend fou. Bref, toujours est-il que... qu'est-ce qu'on doit faire?
Planté le calice d'inversion et il m'a offert une place à la cour. Voilà. Apparemment, la garde impériale corrompue dans la ville de l'ombre du quartier du temple et se plaignait de son sujet, Luron, qui a des ennuis chez lui, avec lui chez Jancine. Quartier du marché, Luron ne connaît pas le nom, Jancine le sait peut-être. La dame de Démentia Erdir est d'accord pour m'accompagner. Il faut que je parle aux gens creusés à propos de cette soi-disant conspiration. Il va peut-être mieux commencer par les proches de Syl. Pour ça, faut aller à Démentia. Donc, il faut d'abord, eh bien, bien sûr, se téléporter à la porte étrange. On va continuer, hein, bien sûr. Le. Bougez pas, parce que j'ai perdu le fil du. Du chat. Bah, j'abandonne le full RP parce que c'est Noël. Après, bon, on a triché plus d'une fois. Mais franchement, regardez-moi ce jeu comme il est beau, quoi. Comme c'est la hype. Comme c'est trop bien. Je sais plus quoi dire des fois, moi. Je sais plus comment vous faire comprendre qu'Oblivion est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Plus que Skyrim. Parce que si les gens se posent la question si Skyrim est le plus grand jeu de la décennie qui est en train de s'écouler, que dire d'Oblivion ? Que dire d'Oblivion ? Je veux juste regarder un truc, je veux juste vérifier un truc sur le framerate. Je trouve pas ça super super fluide, mais bon, bref. Ça, c'est moins fluide que moi qui suis à 60 FPS, mais bon, voilà, là. On va profiter quand même du fait de jouer à Oblivion pour jouer à Oblivion. Allez, en route, mauvaise troupe. Swap. Si, là j'ai les graphismes au max, j'ai relancé le jeu exprès. J'ai juste pas mis le HDR pour avoir l'anti-aliasing. Pour que l'image soit très très propre. Regardez. C'est au max. Ouah, attendez, c'est qu'en fait la molette fonctionne aussi sur Twitch, sur mon chat Twitch pendant que je suis dans le jeu. C'est quand même fou. Du coup, on était là. Mais attendez, il fallait que j'aille où là ? Les proches de Syl. Je vais aller à Colmar. Allez, mais non, mais voyons. De Creuset à propos de cette soi-disant conspiration. Creuset, c'est où ? Là. On profitera jamais assez, hein. Là, c'est le jeu qui arrive pas à maintenir 60 FPS IRL, quoi. Excusez-moi, mais je dois rejoindre mon poste. Oui, c'est le meilleur, lui. Comment puis-je vous servir ? J'ai vu le saxeur et je l'ai magué aussi. Oh, faible. Je vais calicrater le fin doux, vraiment. Vous dératerez. Comment faire mieux que Marc Alphos paie à lui-même qui dit de la merde comme ça. Il faisait. Je baliterai avant de cratouiller. Oui, cratouille-moi, s'il te plaît. Cambroden est... Il est sage de se soumettre à la justice de Sheogorath. Payerez-vous l'amende ou purgerez-vous votre peine ? Dans tous les cas, les biens volés vous seront confisqués. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ?
passer? J'ai pas le droit de parler aux gardes, mais pour qu'est-ce qui m'est encore arrivé, quoi? Bon, donc nous devons enquêter sur une fameuse conspiration. En parlant aux gens qui sont à Creuset. On rappelle que nous sommes boxeurs, bien sûr. La maison d'Iris Clubitus. Ce que le pire, c'est que cet add-on, il est tellement génial. Et pourtant, on l'a pas... On lui a pas rendu justice encore. Alors non, j'ai pas le droit d'aller là. Mais comme il y a personne en fait. j'ai déjà totalement dévoyé cette. Les musiques sont toujours aussi bien. Merci soleil de feu et doué. Mais pourquoi? Pourquoi Streamlabs est en grève? Salut, je suis désolé. C'est vrai qu'elle est... Oui. Vous êtes trop... Seuls les démentiens peuvent vraiment apprécier. Ok, mais... Alors en fait... Prenez soin de vous. J'aimerais parler à des gens qui sont intéressants. Voilà, oh, Ultima Tsuna qui offre 5 abonnements à Mossman, Vrunt, Gvorgat, D-Flight et Grano 42. Et allez savoir pourquoi Streamlabs fait de la merde à ce point-là. Je sais pas pourquoi. On n'a pas le... Qu'est-ce qui fait que ça fait de la merde, je sais pas. C'est trop bizarre. Bougez pas, on va regarder dans les widgets. Widget et Gabriel. Widget. Voilà, j'ai mal alert box. On va tester un sub. Non mais ça marche pas, c'est trop bizarre. Comme si j'avais pas le bon truc, background color. Eh ben putain, mais ça veut plus rien dire quoi. À moins qu'il l'ait mise à jour et que du coup il y a un souci, mais. Attends, là si je copie et que. Mais. C'est exactement le même lien quoi. Il y a juste un gros crash de je sais pas quoi. Là j'envoie des tests et ça marche pas quoi. Ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on va switcher sur Tipeee Stream. Donc, Alors, si quelqu'un se souvient de ce que le jeu attend de moi, je suis chaud. Évidemment, je vois moins clair de jour. Enfin, la nuit. Ah oui! Oh, il a retrouvé sa tête d'extraterrestre! Merci! Oh oui, Sphagos! Oh, je t'avais perdu! Là, le vrai! Voilà, là, c'est la tête quand il est pas malade. Merci. Non, mais. MDR, j'ai des pierres sigillaires. Des pierres sigillaires. Merci, Lazaretou. Bon, toujours est-il. Aux gens de Creuset. Et proche de Cille. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en train de s'entraîner là. Rappelez-la plus fort. Oh, ça va faire mal. Je m'appelle Murin. Si vous avez des secrets, c'est à moi qu'il faut les raconter. Je ne les partagerai avec personne d'autre que ma famille. À moins qu'il ne soit croustillant, évidemment.
Ah, j'aimerais bien Soleil de Feu faire plus de vidéos comme les Witcher. Visiblement, lui, il faut pas lui parler de la conspiration. Vous n'êtes pas membre de la société. Non, c'est vrai. Pourtant, j'ai les mêmes yeux que vous. Si vous trouvez quelque chose d'unique, cela vaut le coup d'en parler à Unar Mina. Laissez-vous bien saigner. Retenez pas vos coups. Vous avez du skooma. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Yennefer dans la série The Witcher. Les travailleurs de Cruelland ne sont guère satisfaits de Sindanwë. Ah, un dos douce. Prenez soin. Frappez-la plus fort. Salut Poison Ivy. Jean-Pierre Castaldi. Mince. Oh, et maintenant que je suis un vampire, je peux attendre. Troglodyte ! Bonjour, bonjour. Cela fait plaisir de voir quelqu'un de si bien équipé dans le coin. Ah bon, j'ai pas mon pantalon ? Mais je vois votre fatigue. Tout ce barda que vous devez porter. N'avez-vous pas envie que l'on vous soulage de toutes ces choses onéreuses ? Parler de mes bijoux de famille. Je veux dire, ma teub. Faire pour vous. M'enculer. Comment quelqu'un pourrait-il avoir un problème avec moi? Allons donc. Dans votre cul. Comment? Excusez-moi, j'ai des choses importantes. Bon, il m'a pas dépouillé de ce que j'avais. Mais ça a l'air d'être un fiefé coquin. Il en veut à mes bourses, MDR. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis bloqué dans ce, dans cet add-on. C'est moi ou... Ce masken doit retourner. Je vais calicraquer le fin. Bill Vesey. Cambroden et Vrantric. Pourquoi personne ne parle de la série Netflix Oblivion? Oh là là. Mais si vous saviez à quel point j'aimerais genre réaliser comme les Witcher, mais un truc qui se passerait que dans Oblivion avec toutes les conneries qu'il y a dedans quoi. Là je vois un mec, il copie ce que le gars qui refaisait du Oblivion IRL faisait, mais en appelant ça Skyrim in real life, et il en poste de 12 par jour et ça fait des milliards de vues. Et je comprends pas en fait. Alors qu'il y a quelqu'un qui le faisait déjà parfaitement avant quoi. Encore vous. Avez-vous retrouvé des affaires de Mazada? Une cuillère brillante ou... Non. Vous pouvez loger au mendiant difficile à Euphoria. Mais à votre place... Ah mais les gens de Creuset, ils sont relous. Genre je trouve pas d'indice quoi. J'ai pas envie de m'incruster chez les gens. Heureusement que la musique est géniale. Vos lèvres à ses oreilles. Prenez soin de vous. Bien. C'est les mêmes trucs quoi. Alors je veux absolument pas parler et hyper tout le monde, mais alors que je réfléchissais à Hard Corner le film 2. Je me dis que en fait si je faisais un Kickstarter pour financer une série Witcher, la version longue de The Witcher ou d'Oblivion, la série. Vous avez gens, réglé le problème oh de là. Je passe mon temps à vous attendre, et ça ne me rajeunit pas, vous savez. Dépêchez. Attends, Britor, il voulait que je fasse quoi? Il voulait que je l'assassine ou quoi? Après, dans deux semaines, j'aurai qu'à aller chercher dans l'armurerie. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on a ça, quoi. La guilde des mages de Braville, formation à l'armure légère, remède de vampires, ce que les dieux ennuient, j'ai entendu dire que les bruits d'odeur est trop. Non, mais c'est ça la suite de mon truc.
Démentia là. Faut juste parler aux gens dans Creuset, mais. Je ne sais pas quelle curiosité j'aurai pour vous la prochaine fois. Vous avez réglé le problème. Je suis à peu près sûr que si j'essaie de gagner un meilleur truc. Ah, j'ai peut-être ça, mais tu vois, ça demande tellement de mana que je vais gagner, je vais faire que du caca, quoi. Éruption de neige. Dévoreur vorace, le dévoreur rapace. Le massacreur repu, massacreur décrépit. J'achète ce sort, parce que ça a l'air très bien. Revenez bientôt, je vous... Vous en prie. Je ne sais pas quelle curiosité j'aurai pour vous la prochaine fois. Oh, ils ont la classe. Il est certainement 2 de PV, quoi. Quelqu'un connaît cette quête ou peut m'aider à la googler ou je ne sais quoi, qu'on arrête de pas avancer dans la donne du jeu, quoi. Dans la maison de gros connard, là. Je crois que Trancheuse pouvait te donner des indices, mais il faut une bonne relation avec elle. Trancheuse ? Qui est Trancheuse ? Malheureusement, là, on est dans la partie... En fait, où il faut jouer, quoi. Alors que moi, ce que j'aime, c'est bourrer les objectifs directement sur le directement sur la map et puis me téléporter et bourrer le jeu, quoi. La maison de Mazda, quoi. Prévenez le den. Ça, c'est encore Bullwing. Faites au bistrot. Putain, mais personne vient dans son bistrot de merde, quoi. Mais là, on commence à tout connaître, là. Ah non, la maison de Bitor, encore une fois. Bonjour. Pike, le ch... Alors, le nom de la quête, c'est ça, là. La dame de Démentia. C'est ça, là. Pour continuer la quête principale, tu vas parler à la duchesse de Démentia et au duc de Mania. Ah, maintenant là ? Excusez-moi, j'ai des choses importantes à faire. Merci, Malory. Il me semblait que quand on leur avait parlé, ça se passait comme ça. Ça se passait déjà bien. Il semblait que la dernière fois qu'on leur avait parlé, c'était justement parce qu'ils voulaient qu'on mette à jour. Et puis, quelle connerie. Il y a tant. Ça vient. Je crois que personne d'autre ne le sent. Vous êtes parano ? Ah oui, vous croyez ? Je ne suis pas parano. On m'en veut vraiment. Dire que Ganesh, il l'a rencontré, cette actrice, putain, il a trop de chance. Je suis prête. Ce n'est pas si mal chez Bernice la maladive. Ça fait un moment que je rassemble des objets. À bientôt. Non mais la VF d'Oblivion elle est trop bien. Alors c'est le premier Elder Scrolls qui parle et les mecs ils ont réussi à trouver que des acteurs qui étaient à fond, quoi. Ou du moins qui ont doublé ça avec beaucoup de talent.
Moi, je veux bien monter, hein. Si on sait pas quoi foutre. En vrai, il n'y a pas tant de gens que ça qui double Oblivion. C'est juste. Ils doublent énormément de voix, quoi. Je vais chez Erdir. Erdir est d'accord pour m'accompagner. Il faut que je parle aux gens de Creuset à propos de cette soi-disant conspiration. Mais non, tu vois. Genre, faut que tu ailles chez Erdir. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas d'objectif. Parce qu'en fait. Comment puis-je vous servir ? On peut aller reparler au duc. Hein. Toujours un plaisir. Bonjour, salut à... Ouais, il a... Oh, New Sheot, ma vraie patrie. C'est bien mieux situé qu'avant. Là, il sert à rien. À plus tard. Revenez me voir. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Trouvez ceux qui complotent contre moi. Là, c'est chiant. Au revoir. Votre présence est-elle... Je ne suis pas au courant. À bientôt. Normalement, tu l'as avec toi et c'est un spécialiste en torture. Ah, mais il est nulle part à redire. Non, j'aurais rien à redire. Merci Tsukas. Boings, boing. Il a parlé à l'Argonienne dans sa cour, on va regarder. Visiblement, on lui avait parlé à Erdir parce que il est déjà en mode genre Erdir, elle est d'accord pour me suivre. Merci Firui. Il parlait à l'Argonienne dans sa cour. On peut faire ça ? On tourne un petit peu en rond parce qu'on est en train d'enquêter finalement. Parlez donc. Seul. Elle, je peux même pas lui parler de la conspiration. Merci d'Izrak. Il y a quelques persos, tu peux leur dire. Eh, hey, en fait. Vous êtes méchant ou pas? Ah, il a enfin retrouvé toute sa magnificence, quoi. Et ce petit boule aussi. Vite. Mais non, mais eux, ils vont me taper. Ça court à ses côtés. Comment puis-je vous servir? Parlez vite. Je ne prends pas une ride, quoi. C'est un truc de fou. Mais il n'y a que elle là. Quoi ? On va aller derrière, mais je ne sais quoi, mais. Je suis perdu. J'ai lancé Oblivion avec espoir, mais là, je suis dans une phase. Que voulez-vous ? Que notre Seigneur vous accompagne. Mince, normalement, elle est là. Plus rien, moi. Je vous vois là-bas. Quoi? Pas de lendemain de cuite. Ça. Je peux même pas ouvrir ça.
Heureusement que la musique est là pour nous ambiancer, parce que là, il n'y a rien à foutre. Ah non, j'estime vraiment qu'Oblivion est l'un des meilleurs trucs du monde. Hein. Ils disent d'interroger des gens à Creuset. Bah, qui me saoule. Erdir est d'accord pour m'accompagner. Il faut que je parle aux gens de Creuset à propos de cette soi-disant conspiration. Il faut peut-être mieux commencer par les proches de Syl. Et du coup, j'ai demandé au gars qui est à côté de lui, dit, je sais pas. Tu vois là, quoi. Parlez donc. Je n'ai rien à faire. Salut. Mais je veux pas dormir dehors. Parlez vite. Tu as regardé ta dernière vidéo sur Oblivion, tu as laissé le PNJ dans une des boutiques en lui demandant de t'attendre. Une étrange activité près des obélisques dans tout l'archipel. Oui, qu'est-ce qu'il vaut? Salut Padaï. Faites de beaux rats. Parlez de... J'ai entendu raconter qu'il y a quelqu'un à haute croix qui tente de cataloguer toutes les créatures vivantes des îles. Je sais ce qu'elle est tellement bien. Vous avez quelque chose ? Lui est tellement triste. De quoi parlez-vous ? Pardon, j'oublie toujours que les gens ne se rappellent pas quand on va se rencontrer dans l'avenir. Effectivement. Attendez, c'est le futur d'hier. Et c'est moi qui n'y comprends plus rien. Ah mais c'est la timeline de The Witcher à Netflix. Des compas et des pinces. Pas la peine de le nier. Pendant ce temps, dans le futur. Demain. Je les utilise pour construire mon bateau ciel. Entre nous, le plus dur, c'est d'éviter que l'eau ne tombe du ciel. Oui. Un merveilleux engin. Il flotte à merveille. Il ne reste plus qu'à faire voler l'eau. Et c'est pour ça que j'ai besoin des compas et des pinces. Je vois que vous en avez trouvé. Honnêtement, je pourrais tous les utiliser. Voulez-vous me... Bien sûr. Excellent. Voici votre argent. J'aurais dû vous payer la semaine dernière. Je suis affreusement désolé pour le retard. Alain Juppé. Merci Dryen. Ciao. C'est un peu bizarre, mais bon. Ok. Donc tu dis que j'avais laissé le gars dans une boutique. Mais là maintenant je suis à Euphoria. Vous m'avez trouvé. Ciao. Oui, qu'y a-t-il? Bé. Ne trouvera jamais la fourchette de répilation. Il n'est pas du tout sûr qu'elle existe en fait. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer à chercher. Attendez. Salut. C'est une porte pour Euphoria, mais attendez, où était la... Où était la sortie vers Creuset? Oui. Bien le bonjour, là... chef. Parlez donc. Elle existe encore, on doit la chercher dans tes os. Merci Doc Doliprane, ouais, j'aurais bien besoin de toi là. Regardez-moi comme c'est magnifique. Parlez vite. Salutations à vous. Je suis les... Salut.
Ah, mais mon arc il est là, mais c'est que j'ai. Merci Blags qui offre 5 abonnements à Azrael, Zell, Kiralif, Green Goblin et Almet Sarger. Bon. J'ai vu le Saxon. On cherche Erdir. Je sais pas où elle est. Excusez-moi, mais je dois rejoindre mon poste. Il est pas chez Britor, parce que Britor, on est déjà allé chez lui il y a 2 secondes. Normalement, il est dans le musée de la curiosité. Oh là là, mais on est tellement rouillé, quoi. Merci en tout cas, hein. D'avoir essayé de trouver la suite du jeu et du fun. Ça a changé d'orientation, quoi, je suis fou. Arme trancheuse, musée des curiosités, moi c'est juste derrière quoi. Aïe. C'est là, là. Ça c'est mystère de machin. Bonjour. Le musée de la curiosité se trouve ici. Oui. Gros Lolors. Il adore les chiens. Les chiens aiment les bâtons. Et la viande. Je me demande s'ils aiment la viande une fois. J'ai vu Ushnar essayer de donner de la nourriture de son chien à Bisha. J'ai dit à Bisha de ne pas la prendre. En fait, Ushnar voulait juste que son chien attaque Bisha. Ok. Votre ami ne dort pas, hein? Vous pouvez m'acheter un bâton. Un bâton rêve, oui. Ouh, voilà une idée pour vous. Et vous êtes tous totalement cons. Mais alors ça c'est le magasin d'armes, donc c'est pas du tout là. Oui. J'espère. Oui. Salut Erdir. Bien sûr, inquisiteur. Je sens. Si c'est votre. Je suis la conservatrice du musée des curiosités, Una Armina. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Votre tête m'est familière. Bref, je cherche toujours de nouvelles pièces à exposer. Alors pensez à moi lorsque vous trouverez quelque chose de curieux. Ma gueule. Je suis constamment à la recherche de nouvelles curiosités pour ma collection. Je rétribue symboliquement les gens qui trouvent quelque chose. Mais la véritable récompense, c'est votre contribution pour... Ouais, merci Marie-Ève pour les 5 abonnements offerts à la suprématie du couscous, Pliskin, Julien Loco, Dovakin et Billy Fetus. Merci à toi. Voulez-vous une visite? Non, pas maintenant, pas maintenant. On a enfin trouvé la suite du jeu. La conspiration. Je ne suis pas au courant. Non, je... Je vous en supplie. Je ne suis pas... Non, je vous... Je vous en supplie. Je crois qu'elle m'aime plus. Oui, ok. Donc maintenant qu'Erdir est dans ma team, on va pouvoir parler de la conspiration à beaucoup de gens. Je ne suis pas au courant de l'exil. Non. Parlez donc, fou. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un complot. Merci Blags. Non. Bon. Je ne suis pas au... Non. Ah.
Mais il est bugué. Ok, bah c'est rien. Alors, continuons un peu notre notre chemin. Là, c'est juste dans Creuset. Voilà, il y a des gens ou pas. On va voir vite fait qu'est-ce qui se passe. Mais je crois que le gars qui calicrate... Quoi ? J'aime les... Je ne suis pas au... Non ! Salutations. RDR ? Je vous en suis... Non. RDR ? J'ai l'impression qu'il a rien à je nous redire. Je vous en supplie. Bah c'est pas grave. Vous n'êtes pas drôle. Je parie que vous n'êtes pas ici. Ah. Uchnar mes couilles. Non. Maman. Les gens ils attendent le truc. Arrêtez. Ah. Tout ce que je sais, et c'est qu'on parle beaucoup d'Anya Eric. Elle a l'air très nerveuse ces temps-ci. Certains commencent à penser qu'elle mijote quelque chose. Ah ah. Anya Eric savait des choses. Je dois la trouver, l'interroger. Je vous en supplie. Mais c'est bon, ça t'inquiète. Ciao. Arrête de nous parler. Anya. Lui qui calicrache là. Bill veut... Ah, je peux même pas le tutoer, je peux même pas le torturer. Oups. Je suis rentré par effraction, excusez-moi. Mais enfin. Maison de Britor. Où ? Est-ce qu'elle a une maison, Anya Eric ? Un petit peu finalement comme le gameplay de Shenmue 3, quoi. Elle est certainement dehors ou au bistrot. Bien le bonjour. Non mais je pense qu'elle disait la vérité, qu'elle connaissait rien. J'ai des bâtons tout frais. Comment on est bien coiffé dans Oblivion, ça que je kiffe. Hein. Vous avez. Je ne... C'est vrai que toi t'es très très vilaine. Est-ce qu'on peut te torturer jusqu'à ce que ce soit plus agréable à l'œil? Oh, petite Macarena. Je vous en suis. Ok. Donne-moi du skouma alors. Faut pas me chercher. J'espère que. Je... Pardon? Je vous en prie. On va passer notre vie à chercher un perso, quoi. Vous avez réglé le problème de... Je... Non. Tout le monde va m'adorer dans ce village. Bonjour, mais je vois... Britor, t'as l'air d'être un sacré connard. Je vous en supplie. D'accord, mais on arrête alors. Revenez bientôt, je vous en supplie. Ah. Comment quelqu'un... Non, par contre, toi, tu mérites, en fait.
Bon, alors. On cherche, je rappelle, hein, Anya Eric. Si quelqu'un a un conseil. On m'appelle Tranché. Oh là là, cette tarée. Le marteau des antipodes. Je fabriquerai volontiers. J'aimerais bien vous forger une armure de folie. L'esprit des âmes disparues est enfermé dans le minerai. C'est un... Ok. Je garantis tout. Répare mes saloperies là parce que... Ouah, 2800 or. Mais qu'est-ce que j'ai réparé dans l'histoire? À bientôt. Anya est au palais. Merci beaucoup. Je vous en supplie. Ouais, ben on va arrêter de vous torturer. Je ne suis pas... À bientôt. Ah, qu'elle est belle. C'est bon, on a assez enquêté pour aujourd'hui. Faire dire. Elle est au palais de New Sheot. Salutations à vous. Si beau. Bonjour. Et toi, toi? Parlez vite. Toujours appelé. Oui. N'oubliez. C'est la capitale des. Servir. Attends, le palais. Elle est sur ma boussole, quoi, sérieux? Waouh. Je n'avais pas remarqué. J'avais presque commencé à m'habituer à ne pas regarder la boussole dans le jeu. Anya. À chier. Sale pute. Salut. Voulais. Quoi? Non. Attendez un peu que mon homme de main arrive. Il va vous mettre une de ses fessées. Il a peut-être un petit tour. Il arrive, hein. Bougez pas. Erdir! Tape la méchante! C'est elle! Elle est là, monsieur l'agent de la Gestapo! Oui, c'est eux! Bonjour. Il a pas vu venir, hein? Je vous en prie, je n'y suis pour rien! Je n'ai rien fait! Il voulait que je les aide à s'approcher de Syl, mais j'ai refusé! De quoi parlez-vous? C'était Mazada. Il a dit qu'il travaillait pour quelqu'un. Et que je devais l'aider. Ou je m'en repentirais. Je ne savais pas quoi faire. En trahissant Syl, je mettais ma vie en danger. Mais si je ne le faisais pas, Mazada risquait de se venger. Il votre faut Mazda absolument faire quelque chose. Je vous ai dit tout ce que je sais. C'est Mazada. Bon, je suis à redire. Garde à vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, merci MacPirtic pour l'abonnement offert à Ephalia et à Arnaud Piorel. Ah, c'est vrai que je cours tellement vite que je ne peux pas prendre les escaliers. Je tombe. Et je perds vraiment beaucoup de vie, qu'est-ce que ces conneries? Attendez. C'est très très con, mais. Je vous explique. Quand je zoome avec la molette pour ma caméra, ça fait remonter le chat du stream. Du coup, je dois passer par le menu. Il va se passer un truc, hein. Je préviens tout de suite.
Mazada. C'est chaud pour ton cul. Quand j'aurais trouvé. Ah, en plus, il était au bistrot. Car je suis un narrateur omniscient. Salut. Je regarde, je suis toujours à regarder. Ah, encore vous. Avez-vous retrouvé des affaires de Mazada? Je ne vois pas. Non, je... Erdir. Erdir. Il est là. Je te regarde. Vas-y, attaque-le. S'il te plaît. Merde, j'ai volé un truc. Pardon, excusez-moi. Je disais donc. Erdir, attaque-le! C'est lui là! Fous la merde tout le temps! Ah, non, t'as raté! Essaye encore! Erdir! Il est là, le gars! Non, t'as raté encore. Attaque-le, il est là. Vas-y, Erdir, je te regarde. Donc en fait il est là. On va voir si s'il y a pas un truc. Ah, encore vous. Je vais te torturer. Non. Il me regarde en mode. Clifford. Bon alors attendez. Je regarde. Tiens. Qu'est-ce que t'as? Tiens, une petite chasse là. Vous pouvez continuer à faire votre sale travail, inquisiteur. Mais si vous n'avez aucune preuve de ce prétendu complot, je vous l'ai déjà dit, je ne... Non. Je m'en fous. Vous pouvez... Vous cherchez des preuves pour accuser des gens, mais pourquoi? Mieux vaut discuter avec les habitants de Creuset pour savoir plus. Excusez-moi, vous en savez plus? Je ne suis pas au courant. Non. Ah mais je crois qu'en fait on vous avait déjà torturé. Vous avez dit en fait que vous avez rien. Le mec il finit sa bière sur la gueule de ses potes. Si vous entendez quoi que ce soit d'intérêt. T'as encore quelqu'un d'autre à interroger, elle est assez chiante cette quête. Torturer une... Je ne sais rien de sûr. Mais j'ai entendu dire que Mazada avait parlé avec Nell Ren, la capitaine de la garde de Syl. Mais je ne les ai pas vus. Je préfère ne pas sortir tard le soir. On risque trop d'attraper un rhume. Mais si les rumeurs sont fondées... D'ailleurs, laissez-moi tranquille. J'ai déjà suffisamment de douleurs partout. Je n'en ai pas besoin de nouvelles par-dessus le mari...
Il faudrait donc parler à Nelren en secret au milieu de la nuit. Il faut que je les trouve pour écouter ce qu'ils disent. Vous pensiez pouvoir échapper à la justice du seigneur Sheogorath? En fait, c'est que je peux pas donner de l'or parce qu'ils vont prendre... ils vont reprendre mes affaires. Dont mes gantelets. Stupide. Montrez-moi ce que vous avez. Je peux pas tous vous tabasser. Heureusement que je suis né le 29 septembre. Ah. Eta Masken. Après, je peux peut-être faire un truc où genre je pose mes gantelets. Mais qu'est-ce que j'ai qui soit volé à part cet anneau de merde et mes brassards? Pas grand-chose. Attendez, mais là maintenant, le... Ah putain. C'est vraiment devenu pénible. Oh non mais il est où mon truc? Non mais là en plus on est foutu un peu. Comment je peux leur échapper? C'est bizarre cette histoire. Réfléchissons. On peut se barrer de la ville et juste attendre. Je sais plus à quel point ils te suivent. Hein. Cool. Heureusement que je saute très très vite. Tu sais parce que j'ai mis mon doigt dans une purée pour qu'on arrête de me casser les couilles. Parce que le jeu buguait. Ma prime est à une pièce d'or. Hein. Là il me cherche encore là. Ah ouais putain. Allons poser des affaires ici. Toi, ta gueule, toi. Eh, mais il est beaucoup plus fort que moi. Après, 60 heures de jeu, bien sûr.
Je pense que vous feriez mieux de partir. Sois sympa, s'il te plaît. C'est à toi en plus, cette merde. J'ai pas envie de me faire assassin. L'autre il me voit pas, c'est bon. Comment ça? Mais pourquoi des gens me voient là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis discret comme tout, je suis un elfe des bois de ouf. Ah mais c'est parce qu'il y a Erdir qui me regarde. Mais qu'il est là. Tabasse la police avec Wham, au calme. Vous voyez que c'est bon là ? Marc, ça fait des sauvegardes, des sauvegardes auto là. Quoi ? Mais enfin, je suis invisible ! Ah voilà, je suis invisible. Attends, et si je veux jouer en vue subjective? Ah, c'est pas possible. Oh là là, c'est, pourquoi stream Oblivion? C'est genre la croix et la bannière à ce point, quoi. Pourquoi tout le monde continue à me suivre d'ailleurs? Alors je suis invisible, je rappelle. On arrête de parler aux gardes. Bisous de la team Guac. Maintenant, il faut les surprendre en pleine nuit. Très cher payé ce doigt dans la purée. Hein. Il est quelle heure là? Bah, c'est pas le milieu de la nuit encore. Hein. Merci le discret. Comment puis-je vous servir? Chut, chut. Est-ce qu'il se retrouve dans la cour ou est-ce qu'il se retrouve dehors? Mais...
les observer. De toute façon, Assassin's Creed. Est-ce qu'Oblivion te permet ça? De toute façon, si Elder Scrolls 6 est anti-maroufle, vous aurez affaire à moi. Hein? Avez-vous progressé? Anya consent-elle à nous aider? Chut! Nous ne sommes pas seuls. C'est dangereux de parler. Partez avant qu'on nous voie ensemble. Je me suis fait prendre en essayant d'écouter la conversation entre voisins. J'aurais essayé... Oh non! Comment je me suis fait voir? Déjà c'est... J'ai tellement l'habitude de bouger la molette quand je joue de façon à l'infini et en fait il se passe que de la merde. Merci Dul. Allons-y. Surtout parle pas aux gardes parce qu'ils me recherchent. Elder Scrolls 6 sera forcément décevant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient réussi à être déçus, oui, par, déçus par Skyrim. C'est ça. Salutations à vous. Ah mais merde, on l'avait pas encore attendu. Ah merci à Linka pour le raid, hein, mais c'est que le chat faisait que bugger. Vous me voyez là? Oh non, mais calmez-vous quoi, personne me voit, n'importe quoi. Déjà je peux mettre casse-cou hibou. J'ai des chaussons de discrétion et je dois encore avoir j'ai mes nightbot, lol. J'ai pas mon pyjama de Bioman là, bizarre. Mais j'ai mes petits chaussons en tout cas. Maintenant calmez-vous bien quoi. Là il va arriver. Là mon gars, si tu me vois, je me coupe une couille parce que je suis techniquement invisible. Hein. J'ai mon casque qui met 30% de caméléon. Mais non, mais sérieusement quoi? Regarde ça, comment tu veux que je fasse du bruit ou qu'on me voit? Comment tu veux que je sois plus discret que ça, quoi? Avez-vous progressé? Anya consent-elle à nous aider? Non, ce satané inquisiteur l'a repéré. Nous devons trouver quelqu'un d'autre. Faites-le immédiatement. C'est la tâche qui vous a été assignée. Si vous n'êtes pas capable de la mener à bien, je n'aurai plus besoin de vous. Est-ce clair? D'accord, d'accord. Je veux la mort de Syl autant que vous. Elle ne doit pas survivre après ce qu'elle a fait. C'est méprisable. Bien. Faites-moi part de vos progrès dès que possible. Et tenez-vous tranquille. L'inquisiteur ne doit pas se retrouver impliqué dans quoi que ce soit.
Je veux dire à Mazda que je sais tout. Tu vois, c'est qu'avec mon casse-cou, je suis techniquement invisible, mais pas trop. En fait, c'est que dès que tu vas dans le truc, des fois, tu sais pas pourquoi, ça fait de la merde. En fait, attends. Si c'est pas ma dernière... Voilà, si j'ai une autre fenêtre Firefox, peut-être qu'il va arrêter d'utiliser celle du chat pour utiliser la molette, parce que là, ça commence à vraiment me casser les couilles. Comment bonjour. Puis-je vous servir ? Bonjour. Ah, encore vous. Je vous l'ai déjà dit. Quoi ? C'est pour le bien de creux. Je vous en prie. Vous ne savez rien, n'est-ce pas ? Même vous, vous n'êtes pas dans le secret. Mais dis-moi ! Tadon et elle, ils se rencontrent en secret. Ils font des choses ensemble, ils se fréquentent. Vous me suivez ? On ne peut pas permettre ça. Il faut l'en empêcher. En plus de Nell, reine, je ne sais pas. Elle reçoit des ordres de quelqu'un, mais ne m'a pas dit de qui. Si je trouve qui c'est, me promettez-vous de m'épargner ? Oui. Merci beaucoup. Vous êtes trop aimable. Venez me voir chez moi demain à minuit. J'aurai les renseignements que vous voulez. À bientôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Tartampion, là. Me dire que j'ai un level à prendre, mais en fait, je sais tellement pas où dormir. Ah, quoi que maintenant, je peux dormir par terre. Il y a un mec qui s'est suicidé, mais... Y'a pas un lit de clodo là ? Dans un coin ? Comment puis-je vous servir ? Oui, Inquisite. Allez, Ardir, suivez-moi. J'ai une super piste. Higgins, j'ai une super piste. On va se pointer dans la maison du Khajiit et attendre 24 heures. On va se mettre un stream de Semsem et puis ça va le faire. Va regarder Jem Jem, regarder Thibaut Inchep pendant 24 heures et ensuite, eh bien, il aura tous les noms qu'on veut. Bon. Y a pas une paillasse là. Putain, mais c'est vraiment comme dans ma vie quoi, comme dans la vraie vie quoi. Genre, je suis techniquement je suis riche, mais je suis quand même un clodo quoi. Tu vois, genre, mais moins 22 heures, parce qu'en fait, il faut que ce soit minuit. Oblivion, c'est peut-être un peu le meilleur jeu de la Terre. Hein. En tout cas, j'en connais pas de mieux. Merde! Ce ne sont pas des preuves, mais c'est du fric. Allons chercher dans son petit coffre. L'épée courte de Nelren et le billet de Mazala. Les objets de Mazala cachés chez lui, j'ai la preuve que Nelren est impliqué, je vais lui faire savoir. Quoi ? Attendez. C'est tellement dur après de trouver quoi, genre le bon machin quoi.
Oui, bon, bah, bref. Ah non, mais c'était devant moi, là. Je n'ai pas beaucoup de temps, elle vient me chercher. Nelren m'a demandé de conserver cette épée. Elle m'a dit que je devais la donner à Anya pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, mais Anya n'a pas voulu. Je vais peut-être m'en servir comme preuve s'il la reconnaîtra. C'est Murine la responsable, c'est elle qui dit à Nelren ce qu'il fallait faire si je ne suis pas dans les parages. J'espère que cette preuve suffira à le dénoncer, surtout que je vivrai assez longtemps pour voir ça. Là maintenant, il faut retrouver Nelren, ok. Mais Nelren, elle est passée où maintenant? Elle est retournée là-bas. Oh. Pas terrible cette quête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas la meilleure quête pour reprendre Oblivion. Je rappelle, hein, je suis le prédateur. Hein. Zbouing, zbouing. Comment puis-je vous... Bonjour Nelren. Vous n'avez aucune preuve. Et vous comptez faire. Ce n'est pas moi que vous recherchez. C'est Murine qui est derrière. Vous donc connaissez déjà le rôle que j'ai joué. Que notre seigneur vous a... Faut aller interroger Murine. Non, mais on était à côté. Non, mais fais demi-tour, Jean-Jacques. Non, mais... Et en fait, reviens. Comment puis-je vous servir? Oblivion, Murine. Non, mais Morrowind. Même entre Skyrim et Oblivion. Non, Oblivion, je veux dire. Oblivion, Oblivion, Oblivion. Mmh. Oh, 4h du matin. Hein. Ah non, mais c'est... Oui, c'est... Et franchement, si quelqu'un arrive à compter le nombre de fois sur les plus de 60 heures de stream de Oblivion... On a dit que c'était le jeu en vanilla avec les textures vanilla. Je salue cet homme. Oui, le jeu est vanilla. Crustel. McGonagall. Oh putain, pourquoi il y a un zombie? Sortez d'ici. Ah, c'est tonton Léo. C'est dégueulasse. Bien le bonjour. Bah, qu'est-ce qu'elle est moche. Je vous... Oui, allez-y, faites comme bon vous semble. Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Ne devriez-vous pas vous sauver? Restez à l'écart des obéis. Restez à l'écart des obélisques, d'étranges... Ok, madame, je serai gentil, alors. Ciao. Bien le bonjour. Vous n'avez... Ouais. Oui. Myrilly Ulven, d'Haute-Croix, pense qu'elle peut répertorier toutes les créatures des îles. Ça, c'est cocasse. Elle a avoué qu'elle essaie de tuer Dame Syl. Le mieux est d'en informer l'intéressé sans plus attendre. Ah oui, elle a dit genre... bah, allez-y. Dites-lui, je suis une connasse. Est-ce que je peux dormir? Alors, Oblivion est en rétro sur One, mais est-ce qu'il est en 4K? Est-ce qu'il y a une mise à jour One X? Ok, pour 20 pièces d'or.
Oui, mais Sky Oblivion, étant donné que le jeu n'existe pas vraiment et que... Si tu veux, c'est dur de s'exciter sur Sky Oblivion quand c'est... Il y a juste les gens qui participent à la création, qui ont accès à la bêta. Et puis voilà quoi, genre on en reparlera quand ce sera jouable, mais pour l'instant il n'y a aucune release vraiment. Ah, c'est bon. Halte là. La justice de Sheogorath réclame... Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi quelqu'un est venu me chercher? Mais what the fuck? Vous pensiez... Non! Vous pensiez... En fait, là, je veux pouvoir mettre mes objets. Vous pensiez... Dans un truc, avant. À moins que... Regardez, je dors 24 heures. Comme ça, je peux recharger mon truc pour maroufler. Ensuite, je peux dropper mes objets dans un meuble et aller les chercher. J'avoue qu'elle m'a gros en l'air, quoi. Vous. Non, j'ai pas fini mon saut, putain. Mais le gars à minuit, c'était tout à l'heure. Ah mais non, mais le jeu bug quand tu fais ça en plus. J'adore ces hôtels où tu peux... Hein, tu peux être couché à 3h du matin pendant 24 heures. Vous pensiez... Je suis... Dans ce... Je suis invisible. Le truc, c'est que je peux pas ouvrir la porte. Barre-toi. Tout ça parce que en fait, on a volé les gants qui donnent plus 20 en baston et que on veut pas jouer sans eux quoi. Vous pensiez pour... Lâche, en plus d'être malhonnête. Très bien, peut-être aurais-je... Vous allez me suivre. Nous allons vous fouiller pour récupérer les objets. Elle était encore là, j'ai eu le temps de partir, de revenir. Putain, que c'est quand même laborieux la vie. Salutations à vous. Heureusement que t'avais la facture des 800 kilos d'objets que tu portais sur toi, sinon...
Comme quoi ils étaient à toi, bah oui, bien sûr. Bon. Parce que maintenant, on peut aller... dénoncer tout le monde. Orage, hein, c'est l'optimisation fiscale, hein, dans Oblivion. Je suis très mauvais dans la vraie vie, mais alors... dans Oblivion. Non, non, je suis pas encore invisible, en fait. Je suis en caméléon. Mais à l'écran, je suis invisible. C'est-à-dire que quand t'as pas les FX de ouf, quand t'es pas au max, l'effet d'invisibilité, il est tout zéro, quoi. C'est juste une transparence de merde, alors que là, t'as l'espèce d'effet déformant. C'est un des plus beaux de l'histoire du jeu vidéo, quoi. En vrai, quoi. Et regardez ça, quoi. Tu vois tous les détails de l'armure du personnage. Dans un espèce de shader trop trop stylé, quoi. Je m'étonne que ça faisait fondre les PC à l'époque, quoi. Forcément, faut attendre que... Ah, faut attendre qu'elle se pointe, là. Forcément, c'est comme la poste, c'est pas ouvert à minuit. En fait, ce qui est terrible, c'est que oui, hein, les versions console d'Oblivion sont pas du tout au niveau des versions PC, quoi. Genre, quitte à ressortir Skyrim, Oblivion, il a sa place aussi sur Switch, tu vois, en 1080p, 30 fps, graphisme au max. C'est un jeu qui reste très très jouable, quoi. Et très, oui, très cool, quoi. Mais sur PS3, il y avait un problème, surtout au niveau du disque dur, des textures, tout ça. Après, attention, on avait tellement des PC de merde quand Oblivion est sorti que je t'assure que la version console, t'avais vraiment envie de t'affranchir de plein de prises de tête parce que c'était dur d'avoir un niveau de détail satisfaisant. Oblivion, il était un petit peu comme Crysis à l'époque, il était scalé pour le futur. Hein. Il avait 2 ans d'avance sur le hardware. Hein. Mais bref, je dis juste la même chose que j'ai dit 1000 fois pendant ce let's play. Oui. C'est vrai. Je vais la faire emmener à la salle de torture. Bah allons-y. Déjà qu'il y a The Witcher 3 sur Switch, quoi. Ouais, la garde, elle en a rien à foutre, quoi. Ouais, un Mass Effect HD Trilogy, on en a déjà parlé, hein. Et sur Switch, même, ce serait génial. Vous avez fini par confesser et avoir cherché à me tuer. Cette trahison mérite la peine de mort séance tenante. Ah! Vous voyez ce qui arrive à ceux qui m'affrontent quand ils échouent? J'ai mis 1h30 à le trouver le coupable. J'apprécie énormément votre travail, inquisiteur. Pour vous le prouver, j'ai décidé d'épargner votre vie et de vous intégrer à la cour de Démentia. De plus, je vous prie d'accepter cet arc afin que vos ennemis vous craignent cool. Et ne sachent jamais d'où ni à l'aide de quel sort vous frapperez. Le gardien des portes a été tué. Ce n'est que le début. Après, ce sera mon tour. C'est moi qui t'ai tué. Je vous ai à l'œil. Maintenant, je vais partir la cour des deux ducs de la folie. Je crois que le mieux d'aller informer Shogorat. Ouais. Oui. On a fait une bonne équipe, Erdir. Ne pensez même pas employer un sort de glace contre un infâme. Oh. Au revoir.
Si, je peux enlever le caméléon quand on n'est pas en combat, c'est que j'ai pas de casque après, quoi. Oblivion fait tellement rêver, quoi. Des fois, j'ai même envie de me remettre à faire des fanarts d'Oblivion, quoi. Quoi ? C'est vrai, il vaut quoi, cet arc ? Bord de ruine. Celui-là. Effet de sort aléatoire sur la frappe. Ça a l'air trop bien. Mais est-ce que j'ai quoi comme flèche d'équipée ? Des flèches de chiasse. Flèche d'acier, ouais. J'ai tellement que des flèches de merde ! On est juste pour voilà, juste pour se la péter, comme si style j'avais des flèches, quoi. Remarque, là, le but, c'est d'avoir des flèches qui ont un effet aléatoire, donc en gros, on s'en fout si elles font des dégâts. Papillon de lumière. Le personnage est un peu bloqué du dos, hein. Il est peut-être streamer. Toujours un plaisir. Fort bien. Vous avez donc connu les deux faces de la folie. C'est magnifique. Votre satisfaction doit être totale. Vous devez déborder de joie. Venons-en au fondement de votre entreprise. Au cœur de la situation. La raison même de votre présence. Et probablement la cause de votre mort. Oui. Vous allez arrêter la marche grise. Vous modifierez le cours des événements. Vous romprez le cycle. Une mouche dans l'onguent. Une autre cause pour un effet différent. Nous allons changer les choses. Non, ce sera différent. Du cum Macron. Ouah, Mori. Chikachan qui offre 5 abonnements à Smooth Commander, Prometheus, Escaflone, Gonzu et Game Spirit. Des bisous, merci à toi. Le prince de la folie, le nouveau Sheogorath. Où vous mourrez. C'est ce que j'aime chez vous. Ah bon ? Comment devenir une Altesse d'Edric ? C'est une bonne question. En fait, non. Enfin, je ne crois pas. Mais vous aurez du pouvoir. Mon pouvoir. Essayez de ne pas le perdre. Il est moins cool dans Skyrim que dans Oblivion, je trouve. Hein. Merci à Hero aussi. Pour ce qui est des intentions et des buts, vous serez moi, un moi pour l'affronter, lui. Puisque je ne serai pas là, c'est très simple en fait. Il suffit de ne pas y penser. Parce que je vous trouve sympathique et que vous avez réussi à venir ici. Dans le cas contraire, j'avalerai votre âme et je la vomirai dans le pot de chambre débordant des sans-âges. Ça a l'air extrêmement, extrêmement sexuel. Je demande gentiment. Avale mon âme et recrache-la dans un pot de chambre, c'est excitant. Pas ici. Je vous l'ai déjà dit, non ? Je ne suis jamais là quand Gigalad marche. C'est l'une des règles. Je vous en ai déjà trop dit. Écoutez-moi, Jacassé. Je vois bien que votre petite tête a du mal à tout intégrer. Mais elle est pas si petite. Nous aurons une autre conversation plus tard. Et je fais quoi maintenant ? La torche qui brille de tous ces feux sur New Sheot ? Non. Parce qu'elle ne brille pas. Et pourtant, elle devrait. Mais ce n'est pas le cas. C'est à vous d'y remédier. Allez à Silar. Il parle avec sa barbe. Et rapportez la flamme d'Agnon pour rallumer la torche. Oh ! Et attention à mes serviteurs de Silarn. Dans leur désir éternel de me plaire, ils se disputent sans cesse Silarn. C'est lassant parfois. Mais c'est aussi divin. Divinement lassant. Ah bon ? Mais bon, c'est votre problème maintenant. Allez, partez. Je veux plus vous revoir tant que la grande torche n'aura pas été rallumée. Cela m'ennuierait de devoir vous faire du mal. Beaucoup. Beaucoup de mal ou ça vous ennuierait beaucoup ? Et n'oubliez pas d'utiliser les talents de ce cher Askill. Entre nous, s'il n'est pas... Il a Askill ! ...3 ou 4 fois par jour, il s'imagine qu'on ne l'apprécie pas. Mais la flamme, c'est quoi ? C'est ce qu'on utilise pour allumer la grande torche. On n'en a pas déjà parlé ? Allez à Silarn pour l'y trouver, sous la protection de mes saints et de mes séducteurs.
La grande torche éclaire brillamment New Sheot, comme un phare d'espoir pour tous ses habitants. Sauf qu'elle n'éclaire plus rien du tout. Elle s'est éteinte, comme à chaque fois que la marche grise débute. Cela perturbe mes sujets. Ils sont tendus, ont des pulsions meurtrières. Enfin, certains d'entre eux. Cette torche doit être rallumée avant que cet endroit ne sombre dans l'anarchie. Merci, Great Teacher Olive. À plus tard, revenez me voir. Sinon, je vous arrache les yeux. Oui. Et comment je fais pour te... Elle a déjà commencé, mais mon seigneur ne désire pas que vous l'affrontiez tout de suite. Il faut... Ah oui, c'est vrai que c'est Goku, lui. Oui. Ah, la grande torche. C'est le symbole de la puissance de Sheogorath et une source de réconfort pour les habitants de New Sheogorath. Merci, Morikachan. Morichakan. La torche s'est malheureusement éteinte. Depuis toujours, elle annonce le début de la marche grise. Le seigneur Sheogorath, dans sa grande sagesse, ah, ça détend, souhaite Vivian. Que vous rallumiez la torche pour soulager les angoisses du peuple. Quelle fabuleuse existence. Mais j'ai un truc pour invoquer Askill, à ce qu'il paraît. J'ai Alain Juppé déguisé en jasquier avec la voix de Goku. Wow. Ah, j'ai un sort d'invocation, ok. Ah oui, il est là. Bon bah ça se passe par là, allez, let's go. De toute façon, les décors de Shivering Isle, hein, ils sont totalement pétés. Hein. Pff, regardez cette invitation à l'aventure, quoi. Regardez-moi ça! En vrai, avec le preset au max pour les herbes, elles apparaissent pas de si près, quoi. Juste les textures qui se répètent beaucoup, qui font vraiment à l'ancienne, mais... Sinon, on est... Enfin, je vois pas ce que... Je vois vraiment pas ce que Red Dead Redemption 2 fait de mieux, quoi. Merci, Red Mercury. Ah putain, comme j'ai pas... Les plus gros dégâts, en fait, c'est quand je tombe sur moi-même. Tellement je suis awesome. Et voilà, les gens sont de mauvaise foi et disent tout de suite que Red Dead Redemption 2 est mieux que ça, quoi. On rappelle, ça fait des effets aléatoires, ce truc. Hein. Là, le mec, il peut se transformer en poulet. C'est juste mon échauffement pathétique vert. Mais en fait, comme tu sais pas ce que ça lui fait, bah, ça se trouve, t'es en train de le buffer. Moi, l'effet que je veux, en fait, c'est la mort. On va invoquer Askill, à ce qu'il paraît, il est bien. Askill. Je vais mettre des patates, hein.
Pendant ce temps, est-ce qu'il servait à rien? Ouah, si, il est en train de se soloter une méga araignée géante. Mais non, c'est un gars. Est-ce qu'il y fait quoi? Non, ça coûte zéro mana. Non, mais viens, si on se bat. Seulement nous pouvions discuter plus souvent. Mais il est pas là pour se battre, en fait. Il est en train de se redonner de la vie, il triche! Viens là! On a un poids dans le cul, oui. Connard, va. Ça pèse lourd quand même, ce truc. Hein. Je sais pas combien. Quel point je suis chargé. 334. C'est beaucoup. Mais c'est la classe. J'ai toujours le bâton de Mankar Camoran. De la merde. Deux, trois trucs. Hein. Utilisation 11, quoi. Pas mal d'armes magiques déchargées aussi. Mes autres arcs magiques sont vraiment en zéro, quoi. Oh là là, comment je sers à rien, quoi. C'est chaud d'être autant le haut level et d'être autant pourri, quoi. Bon, du coup, autant vont garder bord de ruine. Hein. J'attends Skyblivion pour me faire un run. Bah, tu peux attendre encore 3 ans, hein. Est-ce que ce sera vraiment mieux? C'est quoi ce bordel? Ah, il y a eux! Oh, ça va être dur là. Non, mais eux sont invincibles! Je sais pas ce que je leur fais. Je suis bloqué. Ah, ah, ah. En fait, je croyais qu'on était quelque part d'intéressant, mais en fait, c'était sur le chemin. Merde. J'aurais dû dormir 24 heures. C'est bizarre, j'ai mis les effets d'eau au max et pourtant l'eau elle me barrait pas au max. Enfin, des fois oui, des fois non. Je pense qu'il y a le mouvement de l'eau. Ah si, si. Des bisous, Mac Piretti. L'eau 2, arrête des Redemption 2 est à peine plus belle. Ah oui, d'accord. Oh, ça c'est un concept, hein. Voilà. Le saut le plus long jamais enregistré sur Oblivion Vanilla. Merci Messa Duram. On arrive hein, au fameux temple qui nous intéressait. On peut peut-être y rentrer en marouflant. Oh putain, mais dire que je saute pas assez haut, quoi. Je saute pas assez haut dans le jeu. Allô. Peut-être faire le tour. Zik. Mais là je vais pouvoir passer là.
Allez, fais pas le con, c'est marrant. Bon, tant pis, je passe par la porte, t'aimes dire. Me voici dans les ruines de Sylar. Je dois parler aux commandantes des Saintes Dorées et des villes séducteurs pour savoir comment allumer la flamme d'Agnon. Halt ! Les mortels ne sont pas au... Je vous en prie, acceptez cette clé qui vous confère le libre passage. Je suis le maître des clés. La flamme d'Agnon. Nous ne pouvons hélas pas allumer la flamme sans avoir conquis l'autel du désespoir qui se trouve aux mains des Masken. Ah bon ? Lord Mazal Qana désire vous parler sans délai. Prenez cette porte et allez à notre campement principal de l'hôtel de l'Extase. Ça a l'air fort logique. Aucune trace des Masken n'a été signalée dans les bases. Salutations à vous. Mais... êtes-vous là pour nous aider à bouter les Masken hors de Sylarn ? La qualité de la texture sur son casque là. Les perfides, les vils séducteurs de noir renom, dont chaque acte traîne le nom sacré de Sheogorath dans la boue. La flamme n'est allumée que sur l'ordre de Sheogorath, à partir des autels de l'extase et du désespoir, à l'intérieur du sanctuaire. Lord Mazal Qana se fera un plaisir de vous aider dès que les Masken seront chassés de l'autel du désespoir. Hélas, nous n'avons pas vu l'autel du désespoir depuis de nombreuses années. Il se trouve dans la partie souterraine de Sylarn, qui est contrôlée par les Masken. Les Masken ne nous autorisent pas à y faire nos dévotions. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles ils ne sont pas dignes de continuer à le garder. C'est juste ici, en haut de ces marches. Désirez-vous prier pour l'extase aveuglant ? Oui. Filez. Ça, votre hôtel, mais c'est totalement à chier. Regardez, je marche dedans. Ah mince, pas. Ce lieu ne convient pas aux mortels. Elle est immense. Nous nous préparons à nous battre contre. Excusez-moi, émissaire. Nous nous préparons à débarrasser Sylarn de ces méprisables Masken. Est-ce. Oui. Seuls les serviteurs de Sheogorath ont le droit d'allumer la flamme. Nous ne contrôlons hélas que l'autel de l'extase, et les Masken tiennent l'autel du désespoir. Il nous faut. Si vous nous aidez à nous emparer de l'autel du désespoir. Bah oui, let's go. La seule façon d'attaquer l'autel du désespoir est de. Ce sera difficile. Les Masken ont fort. Voulez-vous nous aider à Oui. Go oh. Mort aux Masken. Mon âme pour Sheogorath. Aïe! Oh là là, les dégâts! Allez, attaque charge! Putain! Ah, le bouclier de vil séducteur! Hein. Bah ça va, la position était pas très très bien défendue. Allez, let's go, allez hop, en route, allez. Hop, 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 hop. Dire que n'importe quel PC à l'époque mourait. Mort aux Masken. Gloire à... Attendez, je vais chercher mon invocation là. Machin là. Attendez, mais j'ai acheté un sort d'invocation, voilà, de massacreur décrépit. Mais vous vous battez là ou vous faites un truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, cette violence ! Attention, camarade. Non mais les assorts, je veux même pas. J'ai l'impression qu'on m'a invité à un match de basket, quoi. Pour me faire plaisir. Oh là là! On a besoin de vous, ils sont trop puissants. Ok. Attention, camarade. Je rappelle, hein, mes flèches font des effets aléatoires sur les persos, donc.
C'est le pifomètre. J'ai l'impression que des fois l'effet aléatoire c'est le fait qu'ils deviennent gentils. Merde, j'ai plus de flèches. Il y en a une qui est tombée visiblement. Vous allez la défoncer, oui. Merci. Putain, ça, c'est vénère. Hein. Hey. Attends, mais comment on y va là-bas? Faut pas faire juste le tour? J'ai l'impression qu'il était zéro hein, mon massacreur. Hein. Tu captes en 30 fps, c'est pas chez Fluid. Oui. On est bloqué en 30 fps là. L'ennemi est sur nous. Mais attendez, les autres, elles sont où les filles? Oui, L'Oréal. Aïe. Heureusement que vous êtes là. Mais revenez. Vous allez vous faire taper par les boules de feu. Alors que c'est là devant. Germaine, Micheline, Cunégonde, Sophie. Mais il y en a plein qui sont mortes. C'est quoi cette grève? Alors je me bats avec une arme qui n'en a même pas une. Auréal, suivez-moi. C'est ça, hein, j'ai l'impression que mon massacreur décrépit, il s'en fout complètement. Oh là là. Putain, ça se bastonne tellement. En même temps, là, c'est même pas super fluide, même dans le vrai jeu. Hein. Enfin, même sur mon écran, là, c'est juste le bazar. Quand la ville sélecteur est morte, visiblement, il faudrait que j'achève le dernier ville sélecteur pour parfaire la victoire des Saintes Dorées. Tiens, méchante. Waouh. Ouah, wow, toutes ces flèches, waouh, 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 yes, yes. Oh, trop bien. Oh, ouais. Pff, j'ai trop de charge. J'ai ramassé. Non mais attends, je vais poser la. Cette hache. Non même là j'ai trop de trucs. Ah mais il était là mon pyjama, regardez. Hop. Ces bottes d'éclaireur là sont plus très utiles. Mais attends, mais qu'est-ce qui est le plus lourd là? Qu'est-ce qui est si lourd? Mon épée longue d'éclair, elle pèse 44, pardon. C'est que les flèches, là, j'en ai 116. De... Bon, j'ai peut-être pas besoin de 201 flèches détestables. Oh putain, je peux toujours pas marcher. Oui, bon, c'était... Mais attends, mais je veux pas jeter des... Je veux jeter que des trucs qui servent à quelque chose.
ni peut-être pas besoin de 148 flèches séduisantes, voilà. Ni de flèches répugnantes. Voilà, c'est bon, je peux marcher maintenant. Les vices séducteurs de silence étaient entièrement anéantis pendant que je faisais rien. Je devrais demander à Canès d'allumer la flamme d'Avignon. Maintenant que ses forces contrôlent les deux hôtels. Allez, j'ai dû revenir parce que j'étais en train de remonter le chat pendant que ça se parlait, quoi. Elle avait pas l'air d'avoir plus de trucs, hein. Chun. Bon, visiblement, vous avez beaucoup besoin de moi. Il était important que j'arrive. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai 116 flèches comme ça, là. Hop. On peut me prendre presque au sérieux. La victoire nous appartient. J'ai déjà choisi la personne. Je revendique à présent pour moi-même l'honneur de la... Magnifique. Faites ce que vous aimez faire. Mais il tolère les services des Masken. Alors, qui peut prétendre saisir ses intentions? Peu importe. C'est lui que je sers, pas vous. Écartez-vous. Quel est ce sacrifice sur l'hôtel des espoirs pour lui mettre la flamme d'Anion? Je peux maintenant prendre la flamme dans la cour et la rapporter à New Chaos selon les ordres de Sheogorath. Bon bah je me barre, hein, merci, c'était sympa! Je vous offre Phagos en string. Va dans les flammes pour te TP. Oh. Mais je croyais que c'était dans la cour les flammes. Vous êtes sûr, hein? Bah, il se passe rien. Bah, y a rien. C'est quoi cette info de chat encore? Combien d'heures de jeu à peu près? Là, on a 75 heures de jeu. C'est pour ça qu'on a peur du moindre truc qui nous agresse. Non, mais c'est pas un vrai stream d'Oblivion sans info de chat, bien entendu. On va retrouver la sortie, hein. Où est-ce qu'on est, bordel? Merci Kalidos. Pour Twitch Prime. Je rappelle, c'est Noël. Et demain soir pour Noël, il n'y aura pas de stream. Mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël d'avance. Et si vous voulez me faire un cadeau de Noël, n'hésitez pas à utiliser le code Benzaï79 sur vos achats sur l'Epic Game Store. Sinon, vous pouvez subber, offrir des subs. Ça c'est bien aussi. Tout le monde est content en plus avec les subs. Donc. Voilà. Parlez vite. Même si les alertes sont mortes. Ça y est, j'ai la flamme.
J'ai pénétré dans la flamme et le feu sacré me consume. Il faudrait que je retourne à New Shears pour allumer la grande torche dans le Saléum d'Ardensul. Moi, je suis chaud aussi, hein. Merci le discret pour les bits. Ah, je suis vraiment en train de brûler. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit... dans les commentaires de... Mais... Dans les commentaires sur Mario Sunshine, il y a un mec qui a dit « Si tu le finis, vraiment, je te donne 500 euros. » Du coup, je me suis empressé de lui linker la VOD de fin sur Twitch. Ça brûle. La flamme s'active. Si vous allumez la grande torche du côté mania du Sacellum, le peuple de Foria vous portera au nu. Ouais, non mais... Faisons ça. Votre choix me déçoit. Vous découvrirez que l'amitié de Mania est inconstante. Oui, enfin, vous êtes tous chiants, de toute façon. Prenez soin de vous. Ah, c'est là. Mais la grande torche, comme il me l'avait demandé. Ah, mais il est là. Vous avez pris un bon départ. C'est important pour moi, vraiment. Votre travail va me faire gagner du temps. La marche grise se dirige sur nous. Les armées de l'ordre arpentent mon royaume pour nous mettre au pas. Mort, destruction. Et c'est à moi de ramasser les morceaux. Et des morceaux, il y en a toujours plein. Je n'aime pas devoir sans cesse reconstruire mon royaume. Parfois, j'oublie où vont les choses. Comme New Sheot, je ne sais jamais où la mettre. Oh, moi non plus, j'ai toujours problème. Tout ça. Rompre le cycle. Vous allez arrêter Jigalag et je pourrai retourner dans mon royaume. J'ai jamais encore essayé cette solution. Pourquoi pas? Il faut que ça marche. Un jour, j'ai creusé un trou et je l'ai rempli de clous. Ou de clown, peu importe, ça ne l'a pas arrêté. Pour être honnête, ce n'était pas une bonne idée. Et ça sentait mauvais. Ça devait être des clowns. Les clous, ça sent pas mauvais. Non, ça sent le beurre. Et les larmes. Mais ça, c'est tout nouveau. Une nouvelle idée. Ok. Je n'y avais jamais pensé. Avant d'y penser. C'est moi ou ils ont eu cette idée de dire que quand ils étaient bourrés. Je suis youtubeur. Maintenant, vous avez besoin du respect de mes citoyens. Ils ont besoin d'un chef. Quelqu'un vers qui se tourner en mon absence. Un chef est la colonne vertébrale des grands peuples. Sauf quand la colonne vertébrale en est vraiment une. Vous êtes déjà allé au royaume de Malakat? Affreux comme endroit. Oh, mais revenons à nos moutons. Vous devrez contrôler une des cours de la folie. Remplacer un duc en exercice ou une duchesse, comme vous voudrez. Voilà comment on se fait respecter. Oui, mais les en fait, c'est-à-dire que je me fais martyriser vous par des crabes. Leur affection, leur admiration, leur plainte. Peu importe, tant qu'ils restent de notre côté. Non, 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 absolument pas. Eh bien, oui, absolument. Dommage pour eux. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ou des crânes. Il y a des règles. Même dans l'archipel, il faut suivre les rituels et les règles. Il a un peu la barbe de Florent Pagny. Allez parler à Arctus et à Dervenin, les grands prêtres du Sacellum d'Ardensul. Ils pourront vous expliquer ce qu'il faut faire. Et vous pouvez toujours appeler à Skill à la rescousse.
Loyal comme un bon chien de chasse, celui-là. Et plus agréable pour la conversation. Je fais quoi maintenant ? Cette fois, je le battrai. Je ne supporte pas de perdre. Et tricher ne me dérange pas. Ça a déjà commencé. Mais vous pouvez peut-être l'arrêter. Nous ferons de vous un chef digne de confiance. Quelqu'un vers qui se tourner. Un responsable en cas de problème. Quand je m'en vais, les choses tournent mal en général. Désertion, carnage... Enfin, avec vous à la barre, tout cela va changer. À plus tard, revenez me voir. Sinon, je vous arrache les yeux. Et je ne vous aime pas. Au revoir. Il va où comme ça ? Bienvenue. Il est juste là, il se fait chier ? La grande torche brûle de l'éclat pur de Mania. Vous avez fait le bon choix. En vertu de l'ancienne tradition, recevez à présent la tenue d'Ardensoul en l'honneur de vos exploits au service de Mania. Merci, Cookette. Oui, nous souhaitons tous être aussi grands que le premier, notre sauveur, Ardensoul, le plus grand duc de tous les temps. Nous le célébrons par le rituel de l'accession, la voie menant à la folle béatitude. J'adore l'éclat qu'ils ont dans les yeux, quoi. C'est une part importante de notre histoire. Ce sera un plaisir de vous la conter, si vous avez le temps. Non. Certainement. Quand le dirigeant de Mania estimera le temps venu, il choisira un successeur dans sa cour. Le successeur est invité à une grande fête. Une nuit de festivités hédonistes, vin, chant et bien sûr, vergrin. J'avoue, les Ardennes sous. Pendant la fête, oh là là. Le dirigeant en place ingère 3 doses de drogue. Son cœur explose et ses forces vitales quittent son corps. Le successeur récupère alors le sang infusé de drogue et le porte à l'hôtel d'Ardensoul, dans le Sacellum. Ceci fait... Je sacrerai le successeur, duc ou duchesse. Puis Sheogorath donnera sa bénédiction et le cycle sera bouclé. J'ai parlé à Dervenin, le grand prêtre de Mania. Le rituel d'ascension, d'accession de Mania nécessite le suicide du souverain actuel par l'ingestion de 3 doses mortelles de vergrin. Son sang empoisonné doit ensuite être porté sur l'autel d'Ardensoul au Sacellum. Il faudrait que je parle à Arcus pour connaître le rituel de Demencia. Quoi ? Vous aime pas. Je n'ai pas envie de vous parler. Le troupeau retrouve une brebis égarée. Voilà des affaires qui sont drôlement complexes. Sous le soleil, Benzai Live. Oh, oui. Quel jeu. Quel jeu vraiment.